Parfait pour un début d'intro. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment s'est passée votre rentrée? Pour ma part, ça a été. Mais qu'est-ce que c'est chiant la rentrée, hein? Les vacances s'est passé vite, hein? On est d'accord. Pour la rentrée, j'ai préparé un petit test. Enfin, j'ai trouvé un petit site. On est aujourd'hui sur sympa-sympa.com. C'est un petit test d'attention. C'est un petit site qui nous donne des logos. Un logo faux et un logo vrai. Et faut dire quel est le logo. Bon, en fait, voilà, donc c'est ça le test d'attention. On nous dit par ici, test d'attention, devine laquelle de ces deux images est le véritable logo. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui est marqué en dessous? Selon les statistiques, en une journée, une personne voit entre 4000 et 10 000 messages publicitaires. C'est pour cette raison que toutes les grandes entreprises du monde dépensent de grosses sommes d'argent pour être visuellement reconnues par le public. Et cela nécessite avant tout un logo mémorable pour instantanément identifier la marque. Sympa te propose de mettre ton attention à l'épreuve avec un test simple. Bah voilà, bien pour commencer l'année. Un petit test simple de la part de Sympa. C'est très sympa. Eh, le jeu de mots par ici, on connaît! Il faut répondre à la question lequel des deux logos présentés est le véritable logo et lequel est un faux. Tu pourras voir la réponse en cliquant sur l'image. N'oublie pas de compter les points de manière honnête pour voir ton résultat à la fin de cet article. On commence directement avec la première image. C'est la marque Samsung, la différence. D'accord, donc sur le premier Samsung, il y a le A avec un tiré comme ça là. Et au deuxième Samsung, il n'y a pas de tiré sur le A. Non, non. Je suis sûr à 100% que c'est le Samsung, le 2. Bonne réponse. Super. 1 point sur 16. Alors, deuxième petite proposition. HP, donc ça, c'est une marque d'ordinateur. Ça, j'en ai un. C'est la réponse 1. Et c'est exact. Je suis un dieu. Vous n'avez rien à dire. Je suis un dieu. Je suis vraiment nul. Alors, la 3. Puma. Ouais, par contre là j'ai un gros doute, je sais plus si le Puma il est à droite ou à gauche. Vraiment j'ai un gros doute. Je crois il est à droite hein. Bon allez, la 3 peut-être. Pourquoi j'ai dit la 3 en fait? Je voulais dire la première. 3 sur 16, je suis un dieu. Allez, petite question 4, Coca-Cola. Donc là le C, le truc il est vers le bas. Et le C du deuxième, il est vers le haut. Oh putain, ça c'est chaud par contre, j'ai un gros doute. Attends, pour moi, le Coca, le truc il est vers le haut. Pour moi. Ah non, même pas. En fait, il est vers le bas, mais je savais même pas. Petite erreur de ma part. On a perdu un point sur le test, à ce que je vois. On est donc à 3 sur 16. Allez, le logo 5, c'est le logo Twitter. Donc bah, là, c'est simple, hein. Là, il y a un œil et là, il n'y a pas d'œil. Et bah, il n'y a pas d'œil sur l'oiseau de Twitter. Allez, hop. On les barres. Alors, on passe à la sixième. Le sixième logo, c'est Citroën. Donc là, il y en a deux. Il y a deux triangles et là, il y a trois triangles. Et bah, dans la Citroën, il n'y a que deux triangles. Je suis le boss. Oui, on me l'a toujours dit. 5 sur 16. Alors, le septième logo, c'est Burger King. Et bah, tiens, j'ai faim en plus. C'est le truc bleu, là, il est inversé, en fait. Hein. Je sais pas s'il est à gauche ou à droite. Je sais pas du tout. Allez Mathis, suis ton instinct Mathis, fais-toi confiance à toi, choisis le bon. Ok, choisis celui de droite. Trop fort. Et ouais mon pote, 6 sur 16, on adore. Alors, le logo Mercedes. Donc là, le logo, il est, enfin le sigle, l'écusson, il est inversé. Et sur Mercedes, le truc est vers le haut. Je suis trop fort. Je suis excité comme un fou. Alors du coup, ça nous fait un total de 7 sur 16. Mais c'est plutôt pas mal pour un début de rentrée. 9e logo, c'est le logo Ariel. Alors je connais pas du tout. Je crois que c'est un truc de lessive, hein, Ariel. Ouais, je crois que c'est un produit. Par contre, je sais pas si c'est rouge ou vert. Comme je préfère le rouge au lieu du vert, on va partir sur le rouge. Mais je sais pas du tout. Mais je suis un dieu! Je suis un dieu! Alors, le logo 10. Ah, PayPal. Oh là là. Oh, par contre, là, je sais pas du tout. Alors, j'ai déjà vu l'écriture, mais je sais pas du tout si c'est foncé vers clair ou clair vers foncé. Pour moi, c'est foncé vers clair, clairement. J'ai bon, mon gars. Bim! Du coup, ça nous fait un total de 10 sur 16. On remercie la zone. Merci, l'intelligence de Mathis. 11e logo, c'est Google Chrome. Alors, mais là, c'est simple. Je suis toujours sur Internet. C'est totalement simple. Bah, c'est celui de droite, hein. Le truc, il est inversé. C'est le rouge vers le haut. Voilà. Allez, dehors. C'est parti. On se passe d'ici. C'est trop facile. Alors, la marque Honda, donc ça c'est une marque de voiture, enfin si je dis pas de bêtises. Alors, la marque Honda, donc je connais pas, enfin j'ai jamais vu de voiture Honda. Oui, je sais, je suis pas un connaisseur en voiture. Alors, le H est vers le haut et le H est vers le bas. Un H, c'est plutôt la barre vers le haut. Je sais pas du tout, mais vas-y. Quoi?
C'est le H vers le bas? J'y crois pas. C'est un fake cet ordinateur. Mais bon, on a quand même 11 sur 16. Allez, logo 13, Android. C'est quoi le défaut, le truc là? C'est quoi la différence? Ah ouais, les oreilles. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, là, les antennes. Donc là, il y a un petit point, et là, il y en a pas. Droite ou gauche? Moi, j'irai droite. Punaise! Mauvaise réponse. Zut alors. On passe au 14e logo et on est à la marque Fila. Alors Fila. Que dire? Moi je dirais plutôt... Allez, vers le bas. Bingo! C'était la bonne réponse. Ça nous fait un 12 sur 16. Comme on a fait 2 erreurs, hein, je le rappelle, si je dis pas de bêtises. Alors Oreo. J'ai jamais eu l'habitude de manger des Oreos. Pour moi c'est celui-là, tellement que c'est simple, c'est celui-là. Je connais trop. Airbnb. Bah mec, c'est simple. Le cœur, il est à l'envers là. Et là, il est à l'endroit. Sachant que c'est Airbnb, c'est un cœur à l'endroit. Quoi? Non, c'était la petite dernière. Il fallait réussir, oh non. Et résultats, je lis les résultats. 0 à 5 réponses correctes, il semblerait que le logo, ce ne soit pas ton fort. Mais il faut avoir le bon côté des choses. Peut-être que sur toi, la publicité n'a pas l'influence escomptée. De 6 à 11 réponses correctes, c'est un bon résultat. Tu as probablement ta propre liste de marques préférées avec des logos dont tu te souviens parfaitement, excusez-moi, la lecture c'est pas trop ça. Et de 12 à 16, ça c'est pour moi, je suis le dieu, on le répète, je suis le dieu. Ouf ta gueule! Vas-y! Ça marche! Fantastique, tu es un vrai pro des logos, se souvenir d'une grande quantité d'informations visuelles est une qualité formidable. Qu'est-ce que j'ai pensé du test? Bah, assez simple, hein, franchement, il était assez simple, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit test à la rentrée. De toute façon, je suis un élève très sérieux à l'école. Et c'est bon en plus, j'ai pas une tête de mouche comme ça? J'ai essayé de faire un clin d'œil derrière les lunettes de soleil. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était un petit test que je faisais comme ça sur un coup de tête. Merci d'avoir regardé, gros bisous, portez-vous bien. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars, bisous. Attends, j'ai oublié mes lunettes. Je pars pas sur mes lunettes de mouche. Bisous.